Michel Roth, chef étoilé du Ritz à Paris, Maillot de France et Bocuse d'Or. Ici, nous avons trois catégories d'œufs, donc nous allons les casser pour voir un petit peu leur aspect, leurs différences, pour pouvoir les comparer. Voilà. Jaune n'est pas très fort en teneur, et le blanc est, c'est un peu liquide. Pas très brillant, je trouve. C'est pas un jaune vif, en fait. Hein. Par contre, il est bien au milieu. Le blanc est un peu, il semble un peu liquide. Alors là, on a un œuf qui est jaune, à peine présent, hein. Très très clair. La couleur du jaune est fade. Le blanc, pareil, se sépare assez rapidement. On a l'impression que c'est liquide, qu'il ne tient pas beaucoup. Étonnant. Ça donne pas trop envie, quoi. Donc voilà. Ah oui. Ça, c'est beau, ça. Ça brille. C'est une jolie couleur. Ça, c'est déjà beaucoup plus joli. On a une belle brillance, une belle couleur du jaune. Même le blanc, et bon, il se sépare légèrement, mais il est bien brillant, belle texture. Ça donne envie de le cuisiner, celui-là. Très, très beau. Vous voyez, là, je peux prendre le jaune œuf dans les mains et ça reste collé au blanc. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de fragilité. Alors que je pense qu'avec celui-là, allez, là, hop, ouais, et ben voilà. Il casse, en fait, les poules ont été sans doute élevées différemment, avec une nourriture différente. Comme ça, à première vue, si je devrais choisir, je prendrais celui-là. Bonjour, Mickaël Féval, chef de cuisine, anciennement chef du restaurant Antoine Paris, une étoile au guide Michelin. Un jaune un peu pâle, le blanc reste bien collé au jaune d'œuf, on le voit ici. Ce qui est important, hein, c'est ça qui va déterminer la fraîcheur de l'œuf. Moins il est frais, plus le blanc d'œuf va s'étaler et s'éloigner du jaune d'œuf. Alors celui-ci est très très clair, il me ferait plutôt penser à la couleur d'un œuf de caille, un jaune très pâle. Alors là, la couleur, elle est plutôt jaune-orangé. Ça serait plutôt pour moi la couleur que j'attends d'un jaune d'œuf, tout simplement, parce que voilà, sur les trois, celui-ci me parle plus, il est plus appétissant, il correspond plus à ce qu'on connaît traditionnellement d'un jaune d'œuf. Là, on voit bien, hein, le blanc reste bien accroché. Donc, clairement, si on devait faire un classement, je mettrais celui-ci. Déjà, visuellement, il est plus appétissant, le blanc d'œuf reste bien attaché au jaune. En deuxième, celui-ci, même chose, je ne sais pas si c'est un hasard, mais la couleur descend un petit peu et l'adhérence reste à peu près identique du blanc d'œuf. Et en tout dernier, celui-ci, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, simplement en termes de couleur de jaune, il est moins appétissant pour ma part, et le blanc d'œuf est moins adhérent aussi.